Bonjour tout le monde, on se retrouve après quelques semaines dans l'épisode numéro 9 de notre challenge Descendance. Alors j'ai petit quelques couacs qui sont passés par là, j'ai mon ordi qui a... Enfin mon disque dur de mon ordi a clamsé. Il a cramé il y a quelques semaines, donc j'étais un peu en galère, etc. Donc j'essaie de faire au mieux pour un petit peu remettre dans le bain tout ça, parce que j'ai perdu plein de choses. Alors j'ai pas perdu mes saves comme vous pouvez le voir, et heureusement je touche du bois. Mais c'est surtout tout ce qui est fichier, genre en mode logo et tout, je dois faire, enfin j'ai dû refaire plein de choses. Voilà, donc petit rappel par rapport à l'épisode précédent, Léoline est partie de la maison, mais on avait eu la surprise d'avoir un autre bébé prêt dans le fourneau, quoi. Donc en effet, Cécile est encore enceinte, elle aura plein de bébés, elle aurait 4 enfants. On a la petite Bichette qui est toute triste, qui a faim. Enfin bref, il y a encore Thiebold qui d'ailleurs est tout boutonneux. Il a un ordinateur dans sa chambre, mais il bosse sur l'ordi en bas, c'est pas grave. Et donc il faut valider encore ben tout en fait. On a 9, la compétence 9 de jeu vidéo, donc ça va être easy pendant cet épisode-là. Et après, il faudra bosser programmation. Et une fois qu'on aura fait ça, ben, on pourra quitter la maison. Donc, oula. Donc, Léoline est partie dans la maison, ce qui fait que la pièce du haut, ben, de base, devait être la chambre de Thiebold, mais ben, vu qu'il y a un autre bébé dans le four, on va dire. J'aime bien cette expression, je la trouve mignonne. Enfin, mignonne. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais vu qu'il y a un autre bébé en cours de route, et qu'ici, on a une bambino qui s'appelle Floria, c'est ça, c'est Floria, et ben, du coup, j'ai transformé la chambre de Léoline en nouvelle chambre pour les enfants. Donc, j'ai gardé quelques petits trucs, hein, notamment toute cette partie-là, je l'ai gardée. J'ai rajouté des bougies dans la chambre, dans la chambre des enfants, c'est super dangereux, mais c'est pas grave. Donc, j'ai laissé miroir, j'ai déplacé la petite lampe, plante, pardon. Et ensuite, ici, j'ai fait un coin de nuit avec les deux petits lits, la lampe girafe. Alors, il y a quasiment que des CC là-dedans, mais because je l'aime trop, ce pack Traveler. Il est en barre d'infos pour ceux qui le veulent. Et dès que je serai un petit peu lassée, bah, j'essaierai de changer un petit peu. Mais là, en tout cas, c'est vrai qu'on le voit partout, partout, pour ceux qui me suivent un peu en live et tout. C'est ce que je fais à chaque fois. Mais bon, j'essaye, en tout cas maintenant, depuis quelques semaines, de changer un peu le style. Là, j'ai fait ça maintenant, comme ça, c'est calé, parce que de toute façon, on va pas rester longtemps. Mais après, j'essaierai de faire en sorte que ça corresponde aux Sims. Donc voilà, j'ai mis la petite maison de... Enfin, petite, le truc qui prend quasiment la moitié de la chambre. Qui vient avec écologie, il y a quelques petites décorations, bref, vous voyez un petit peu ce que vous voyez à l'écran, quoi, pas besoin d'expliquer en long, en large, en travers ce qui se passe. Donc, on va s'occuper de nos Sims tout de suite, et on part pour un petit épisode de 20 minutes. C'est bien ça, c'est bien. Donc là, j'ai juste rajouté la petite bibliothèque que Léoline avait dans sa chambre, et la balançoire, pour éviter de la jeter, bah, j'ai laissé là, enfin, je l'ai mis dans sa chambre à lui. Donc c'est assez, enfin, c'est petit, quoi. Mais en même temps, il y a des bébés qui vont arriver, donc voilà, j'ai préféré mettre en avant cette chambre pour les futurs bambins. Et comme ça, les parents, ils récupèrent leur chambre, quoi. Oh, mais là, genre la pose qu'elle a, c'est trop mignon. Je crois qu'elle en est qu'à son premier trimestre. Ouais, voilà. Lui, il est encore en train de jouer, qu'est-ce que ça donne? Ça avance pas du tout, la barre. Elle est triste. Je serai un parent horrible et mon enfant me détestera. Mais non, Cécile, voyons. Alors en tout cas Léoline elle est partie mais elle nous a laissé plein de repas dans le frigo. Ce qui est très bien d'ailleurs. Je trouve ça trop mignon l'interaction en fait entre les... Quand il y a les adultes et les bambins. Pourquoi il vient bouffer là lui aussi Mais regardez-moi cette couleur genre... Pendant cet épisode là hein, on valide au moins une compétence et il va forcément y avoir la naissance du quatrième enfant. Puis on va essayer de s'occuper un peu de sa petite famille hein, parce que là... Est-ce qu'il y a une fête ou quelque chose? Ouais, et au pire des cas, si on n'arrive pas à valider la compétence, dans 2 semaines, ça vient à faire de Thiebold, hein, donc voilà. Elle est bien au moins ou pas? Ouais, elle commence à avoir faim. Je pense qu'on va essayer de la faire aller au pot de nouveau et après on viendra manger. Et après, on va aller la mettre au lit. 3h du matin, il serait temps quand même. Hein. On va aller lui lire une histoire, enfin du moins on va essayer. Je pense qu'elle va aller dormir ici, Florian. Pourquoi elle veut réveiller son frère en fait? J'espère que ça fonctionne, qu'elle puisse lui lire une histoire. Ça a l'air de fonctionner. Oui, ça fonctionne. Trop merci. Oh, j'adore. Mon petit bidou. Oh, trop mignon. Trop mignon. J'aime trop le mode sol pour ça parce que du coup,
les émotions sont décuplées, quoi. Genre, vraiment, il y a des choses beaucoup plus réalistes. Enfin, déjà que le jeu est assez réaliste. Ben, genre, vraiment, là, voyez, mon petit bidou, raison grossesse, celle-ci, elle adore sa grossesse. Genre, elle est trop chou. Vas-y, arrête de jouer. Le jeu en bas. Je sais pas comment je peux faire pour augmenter plus vite le jeu vidéo. Ouais, y a pas. Enfin, c'est ce que je fais, quoi. Ouais, ça augmente pas trop le social, mais bon. Oh non! Coup de pied du bébé. Cécile l'a senti passer. Oh, nausée matinale. En se réveillant, Cécile s'est sentie très malade, comme si quelque chose remuait ses entrailles dans tous les sens. C'est le bébé, ça. Elle va accoucher pendant cet épisode. On va savoir si c'est un petit garçon ou une petite fille. Zap, vroom, dac, dac, tu vois, elle a écrasé tout le monde dans une démonstration de maîtrise virtuelle absolue. On ne l'appellera plus le petit nouveau de sitôt. Oh, trop bien. Trop bien, trop bien. En même temps, il va arriver au niveau 10 de la compétence jeu vidéo. On est au taquet, nous, hein. On est au taquet, hein. Mais y a pas que du charbon là. Oh non, l'ordi il est cassé. On va faire remplacer, hein. Il restera plus. Hein. Va falloir qu'il gagne un peu d'argent parce que si de toute façon Tchabol ne partira pas pendant cet épisode-là, mais vu qu'on a donné 5000 Simflouz à Léoline, ben forcément on va donner aussi 5000 Simflouz à Tchabol pour qu'il commence sa vie, quoi. De toute façon, on ira en appartement, je pense. Peut-être pas pour toute sa vie, mais en tout cas pour le début, on ira en appartement. Et elle, du coup, on pourrait peut-être trouver un petit contrat pour apporter de la thune. Alors, 2695, on a 2775. Hop. Mais pourquoi? Pourquoi tu l'enlèves tout le temps? Putain, me casse les couilles hein, ce jeu. Hein. Vas-y, ça me gonfle. Putain, les bambins, ils peuvent pas bouffer sur leur chaise de merde là. Vas-y, pose Floria ici. Mais c'est une putain de blague, cette gamine, je te jure. Mais elle allait bouffer avec son frère. Oh là 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 là, vas-y, c'est bon, c'est bon. C'est bon, vas-y, je vais même supprimer. Hop. On va détruire l'objet. L'objet du mal. Oh, lui, c'est vrai qu'il se regarde tout le temps dans le miroir. Oh là là, j'ai plus. Il n'en peut plus. Donner un nom à cette page web. Alors, Caro Sims Univers. Je sais plus comment écrire. Univers.tumblr. Putain, j'arrive plus à écrire. Hein. Comment? Voilà. Non, j'ai fait annuler. Oh. On va faire ça et nous on va s'occuper de nous. Enfin, elle va s'occuper d'elle. En tout cas, on va manger des restes et elle va aller se coucher. Et aujourd'hui, ça va être Raphaël qui va s'occuper de la petite bichette. Oh non, elle est en PLS, Cécile. Regardez, genre ses yeux et tout. Elle a des big cernes de malade. Elle est juste toute gonflée avec le fait qu'elle soit enceinte et tout. Incroyable cette gamine. C'est incroyable comme elle casse la tête. Je crois qu'on peut apprendre des compétences. Je pense qu'on va faire ça un petit peu. Quand il rentrera, on va imaginer que. Bah en fait, non. Si, on va imaginer qu'en fait, après l'école, il prend des cours particuliers et tout dans la programmation, par exemple. On mangera le reste des pancakes. Ok, donc elle va bientôt accoucher. Lui, il est censé aller au boulot. Arrête de manger, en fait. Ok. Ça va, on gère. On gère, on gère, on gère. Le courrier a été distribué. Oh, Léoline, elle est là. Mais c'est trop mignon, ça. Oh là 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 là. 3000 de factures, mon Dieu. Notre fille est là. Proposer de toucher le bébé. Trop chou. Oh, j'adore. Ouais, complimenter la tenue parce qu'elle est grave belle et tout. En vrai, elle ressemble de ouf à son frère. Elle s'est barrée? Non, elle a laissé son ordi. Aucun respect pour sa mère. Empreinte écologique incontrôlable. Sims hyper écolo qui tisse trop de société de l'eau. Ok. Voilà, honte de ce qu'elle fait. D'ailleurs, je vais la regarder par rapport à la grossesse. Ah ouais, donc elle va bientôt accoucher. Elle va accoucher sous peu. Elle va accoucher sous peu. Bombe émotionnelle. Oh putain. Tu vois, il est rentré à la maison avec un projet scolaire. Ok, c'est vrai d'ailleurs qu'il en a encore un autre en haut. Je pense qu'il va tout de suite faire un truc de compétence. Ouais, c'est ça. Comme ça, au moins, c'est fait. L'autre, elle se barre. Mais non, elle veut pas jouer avec nous. Ah, carrément, compétence crac crac. Ouais, non. On va faire. Programmation. Comme ça, on fait comme si elle avait vraiment un cours particulier. Elle est en train de jouer. Elle est comment du coup? Bah, elle est très bien pendant ce temps, elle aussi. À tout moment, elle peut accoucher son cake. Atteint le niveau 4 de la compétence programmation. Bon, c'est un parfum, ton sang. C'est un parfum, mon gars. C'est un parfum. Quand il va rentrer, il va jouer aux jeux vidéo.
Il fera ça et ses devoirs. Et on fera celui-là plus tard quand. Et on va peut-être réveiller la petite parce qu'elle aura passé la journée à dormir. Hein. Elle est triste. Raphaël est rentré. Alors lui, parfait, il va profiter. Ah bah, ils sont tous les deux rentrés. Il va payer les factures. D'ailleurs, ça fonctionne pas du tout. On va faire tout vendre. Et je pense qu'il va aller peut-être faire une sieste parce que là, le pauvre, il est en PLS. S'occupe de la petite bichette. Oh, trop mignon. Et ensuite, nous, on va aller, elle va continuer à jouer, je pense. Non, mais elle est censée créer des modules et tout. Bon, on va demander à Léoline de partir de chez nous, hein. Que nous, on a besoin d'ordinateur. Et ouais, je t'ai demandé, elle était partie. Toi, c'est bon, là, maintenant. Je crois que ça ramène quasiment un point à chaque fois qu'il fait un cours de compétences, donc on va pas faire ça non plus trop de fois. Je savais pas que ça ramenait un point complet, donc du coup, je pense que je le ferai plus. Sinon, vous allez me dire, ah, t'as triché, nanana, nanana. Donc je ne vais pas tricher, je vais arrêter. Je savais pas que ça ramenait un point complet. Donc il va faire la programmation de lui-même. Le compétence numéro 4. Au niveau 4, trop bien. Oh, regardez! Elle a mis son petit costume d'abeille aujourd'hui. Oh, c'est trop mimi! J'adore! Elle est venue d'elle-même jouer à ça. Elle est trop bien. D'ailleurs, elle va aller au pot. Non, pas aider. Elle peut aller au pot toute seule. Bon, ça va, je commence à gérer tout le monde, mais bientôt il y a un bébé qui va arriver. Il y a un bébé qui va débarquer. Ça, comme je plains les gens qui ont plein de bébés, je crois que bah, Sebi Sims. Ou je sais plus, son pseudo. Sébastien, Sebi, qui est toujours sur mes lives et tout. Il a eu 3 ou 4 bébés avant d'avoir une fille, du coup, le pauvre. C'est comme si moi j'avais 4 filles et la dernière enfant qu'elle est en train d'attendre, alors il y en... enfin, c'était un garçon quoi. Enfin, ça aurait été ultra galère quoi. Mais il est nouveau resté dehors pour dormir, mais j'hallucine quoi ce mec. Aucun respect pour moi. Aucun respect pour ma personne. Il respecte rien du tout de ce que je demande en fait. Donc ben, c'est simple, tu vas aller faire de la programmation après, comme ça tu me casses pas les bonbons et tu vas aller dormir, comme ça tu me casses encore moins les bonbons. Il est trop mal. Va falloir qu'il aille dormir en fait, du coup. Quant à elle, elle a aussi super faim. Est-ce qu'il y a, à par hasard, il y a un plat qui... Non, pas du tout. Donc on va sortir un plat qu'on va mettre ici, tout le monde se servira. Voilà. C'est pas, elle termine son projet scolaire rapidement, mais nickel. Oh, elle est montée jouer toute seule. Monsieur, c'est trop mignon ça. Oui, c'est trop mignon ça. Bah écoutez, elle est encore au taquet. Du coup, je pense qu'il va venir s'asseoir ici. Il va faire ses devoirs. Enfin, pas trop non plus. Elle a faim, mais elle a pas mangé du coup. C'est pas possible, ce gosse, hein. Incroyable, cette gamine. Ouh là 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 là. En plus, ça s'est annulé totalement. Elle a rien bouffé en vrai. Oh putain. Tant pis, tant pis. Il n'y a aucun respect là pour moi. C'est hyper relou. Puis il y a un gosse qui va arriver. Je vais galérer de malade. Je crois que demain il va pas aller à l'école. Comme ça, au moins il va pouvoir genre en mode dormir et tout et puis basta quoi. Elle va bientôt accoucher. Allez, tout le monde il est beau, tout le monde il dort. Enfin, bientôt elle va se réveiller elle, parce qu'il faut qu'elle aille pisser de ouf. Le bébé lui appuie sur la vessie de malade. Elle va bouffer des crevettes dès le matin. Je respecte plus là, le matin, midi, soir. J'essaie de gérer mes Sims. Effondrement émotionnel. Mais meuf, tu vas te pisser dessus. Lui aussi va bouffer des crevettes. Mais il y a une poubelle, elle est juste là en plus. Mon Dieu, mon Dieu. Ce tatouage là. Le travail de Raphaël commence dans 1 heure. Bah, tu seras une fois au taquet. Hein. Toi, quand tu seras réveillé, tu pourras manger des crevettes. Le travail a commencé! Oui! On va l'accoucher à l'hôpital parce que le dernier épisode, j'avais oublié qu'elle accouchait à l'hôpital. Panique préparentale! Mais non, mais ah, je croyais qu'il y avait un bug. Bah écoute, tu vas aller accoucher à l'hôpital, ma pauvre. Hein. On va enlever la nourriture gâtée et ensuite tu vas aller avoir le bébé à l'hôpital. On va faire rejoindre quand même. On va y aller avec Raphaël. Allez, on va savoir si c'est un garçon ou une fille. On va aller là-dedans, on va aller s'enregistrer. Non, mais ses couleurs et tout, j'adore. Ah bah, il l'a laissé tomber. Il est parti. Allez, meuf, là, t'es censée être là pour enregistrer des gens? Ah voilà. On connaît trop bien ce couloir d'hôpital. N'est-ce pas? J'espère juste que c'est pas des jumeaux, sinon, mais là, je me flingue, je me flingue. Ah oui, je voulais checker, normalement là-dedans c'est. Moi, je sais plus. Un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon, une fille. Bon, elle bouge pas trop les manettes, hein. Il y a rien qui se passe là. Oh,
l'appeler. J'ai envie de l'appeler Jules. J'ai envie de l'appeler Jules. Jules. C'est joli, Jules. J'espère juste que c'est pas des jumeaux, sinon mais là je me flingue, je me flingue. On a des jumeaux. Oh my god. Heureusement qu'on se barre rapidement parce que... Putain, on va avoir des jumeaux. Comment je peux l'appeler? J'ai envie de l'appeler Timothée. Des triplés, ça m'était jamais arrivé, putain de merde. Mais wesh, des triplés, putain, sa mère. Je sèche pour les prénoms, là. Wesh, des triplés. Elle a eu des triplés. Des triplés, putain. Des triplés, merde. Comment je vais faire? Comment je... J'espère... Attendez, là, on va tout faire. Alors, pas pendant cet épisode-là, parce que ça vient de se finir. Mais wesh, des triplés. Des triplés, c'est la première fois de toute la vie de mes Sims, enfin de tout le temps où j'ai joué aux Sims, que j'ai des triplés. Je n'ai jamais eu de triplés. Putain, c'est pas possible, c'est pas possible. On va tout faire pour se barrer au prochain épisode. Je sais pas comment on va faire. Genre, il ira jamais à l'école, il va faire genre, on va, il va, vraiment, il va geeker et tout. Mon Dieu, les gars, vous vous rendez compte? Il y a trois bébés. Ils auront eu sept bébés. Non, pas sept. Ils auront eu six bébés à eux deux. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Jules, Timothée et Geoffrey. Mon silence en dit long. Putain, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Des triplés. Elle a eu des triplés. Je suis dépitée là. Mais JPP, trois gosses, putain, la pauvre, elle pourra même pas dormir et tout. Non, 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 mais Thiebold, mec, toi, tu vas... Bon, ça lag, mais bon. Super, on aime ça. Bon, je pense qu'on va... L'épisode se finira quand les gosses seront passés bambins. C'est-à-dire dans 2 jours. Dans 2 jours, il y a l'anniversaire des bambins, et dans 3 jours, il y a l'anniversaire de Floria. Ben, du coup, on va faire ça, je pense. Mais mon Dieu. Mais genre, la maison, comment je vais faire? Regardez-moi ça, cette galère là! Ils font que pleurer, ils font brailler et tout là! Bah oui, mais Jules a très faim, en même temps elle a pas 3 seins quoi! Ok, ils dorment tous les 3, mais c'est parfait! Un peu de calme! Bon bah du coup, on rajoutera un. Bah en fait, je vais totalement devoir remodifier la chambre. Lui, je t'ai dit, bah tu vas carburer mon pote, hein. Tu vas pas dormir en fait, tu vas utiliser que des potions de sommeil, hein, parce que clairement, on va vite se barrer de ce carnage! Ouais, elle va clairement passer une grosse partie de son temps dans cette chambre. Et après, tu te rassois et tu continues à jouer. Je veux me barrer de cette maison. Ça va pas être possible. Sinon, regardez-moi tout ça. Il y a 7 Sims à gérer. Écoute, tu vas, je pense, faire... Oui, on a validé l'étape de la compétence des jeux vidéo. On va vite bosser... On va vite, vite, vite bosser la compétence de la programmation parce que sinon ça va pas être possible. Surexploité. Je vais pas dormir toi aussi là. Comme ça elle va aller jouer. Je pense qu'elle va aller regarder un film avec. Regarder le film actuel. Elle va aussi monter, se coucher, dormir. Ils dorment tous, mais c'est parfait. Toi tu vas aller dormir. Non, on fait plus de crac-crac. On tente plus le diable là, c'est mort. Je ne veux plus de bébé. Ah, oh, mais il y en a encore un qui s'est réveillé. Genre, du coup, il a réveillé tout le monde. Et ouais, il nous manquera 5. Elle a super faim. Hein? Je gère plus rien là, je gère plus rien. Elle est super fatiguée. Donc on attend les anniversaires et après on arrêtera l'épisode dessus, je pense. En fait, elle dort pas du tout, hein. Elle arrive pas à dormir sur le canapé. Bah limite, je vais mettre son lit dans la chambre de ses parents pour qu'elle soit tranquille. Hein. Il a atteint niveau 6. Elle peut même pas aller manger ou dormir ou je sais pas moi. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Mais la pauvre, elle en peut plus. Genre, on va prendre un jour de congé. J'en peux plus de ça, Sims. Allez, vas-y, dors, fais un gros dodo. Après, elle ira à nouveau manger parce que décidément, elle n'arrive pas à manger. Et dormir non, parce qu'on va reprendre une potion de sommeil. Je peux pas faire une autre
Prochain épisode, je vous le dis clairement, hein, il va se barrer de la maison. Hein. Je peux pas gérer 3 ou 4 épisodes avec plusieurs bambins. Je sais même pas s'ils ont faim et tout. Ok, donc ils sont tous mal. J'en peux plus! Au secours! Aidez-moi! C'est aujourd'hui ou c'est demain leur anniversaire? Ça, c'est demain. Du coup, qui c'est qui est pas bien? Lui. Toi, tu vas dormir parce que. Bichon, il a besoin de dormir. Lui, le taquet nouveau. Bah, mon gars, tu reviens là et tu continues à bosser tes compétences là parce que on va vite se barrer. Il faut qu'on se barre de cette maison. Changer la couche sale. Putain, mais des triplés, les gars. On a eu des triplés. Ok. D'ailleurs, lui, il en est où? On est au niveau 6. Ouais, c'est bon pour nous, ça. Du coup, il faut qu'on finisse notre boulot pour l'indépendant. Mais non. Voilà qu'on gère 3 gosses plus notre boulot. Vas-y, arrête de tricoter. On va les gérer. Lui, c'est nickel, hein. On avance. Je suis tellement attaquée, je peux pas. On est au niveau 7 là, on va le faire, on va y arriver. Il va gérer tout ça. Il va pas aller à l'école aujourd'hui non plus. Ah, c'est une usine hein, maintenant. Il n'y a plus le time pour regarder ce qu'on fait, ce qu'il fait, bref. Oh shit! On m'a dit normalement qu'on peut arrêter le PA en cours. Putain, vas-y, mes casse bonbons là. Il n'y a vraiment pas moyen d'arrêter les coupures d'électricité parce qu'en vrai, ça me casse les. Ah oui, ça vient de sortir triplé! On va fêter leur anniversaire tout de suite, on va les relooker et puis ce sera fini pour aujourd'hui. Et je pense que la chambre, je le modifierai au début de l'épisode prochain. J'espère que ça marche. On est à l'épisode numéro 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Non, ça n'a pas pris l'autre, donc encore une fois. Non, je vais mettre pénible parce que vous allez me dire « Ah, t'as triché et tout !» Ouais, on va mettre pénible. Oh, un petit blond à dread. Bon, c'est du jaune pisse, donc je vais mettre du vrai roux et du vrai blond parce que là, c'est pas possible. Donc voilà à quoi ressemble Jules. Voilà à quoi ressemble Timothée. Et voilà à quoi ressemble Geoffrey. On va aller les relooker tout de suite. Alors voilà le petit Jules. J'ai changé son blond parce que c'était le jaune pipi, là, dégueulasse. Je lui ai mis, donc sa couleur majoritaire ça va être le rouge, donc sa tenue quotidienne, j'ai pas mis plusieurs parce qu'il faut que je me dépêche. Je n'en peux plus d'autofamille, je n'en peux plus. Donc tenue quotidienne, tenue habillée, tenue pour dodo 1 et 2, tenue pour faire la fête, tenue de maillot de bain, tenue de temps chaud et tenue de temps froid. Ensuite on passe ici à Timothée le petit roux, donc c'était rouge, j'ai mis évidemment du roux, donc tenue quotidienne, tenue habillée, tenue de sommeil, donc ici la couleur majoritaire c'est le bleu, voire bleu vert. Donc une et deux, tenue pour faire la fête, tenue de maillot de bain, tenue de temps chaud et tenue de temps froid. Ainsi que le dernier qui est Geoffrey, donc ici sa couleur majoritaire c'est plutôt le gris. Donc tenue quotidienne, tenue habillée, tenue de sommeil, une et deux. Tenue de fête, tenue de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Donc voilà pour la petite famille. Il y a un incendie qui s'est déclaré dans la maison alors que j'étais en train de... Je sais pas où est-ce qu'il y a eu l'incendie. À Skip, il y a un incendie quelque part, mais bon, c'est pas grave. Je peux vraiment pas sauvegarder en plus. Ah ouais. Ah, ok, c'était censé être là, d'accord. Mais il n'y avait pas du tout d'incendie. Bah, on va peut-être appeler les pompiers, non? Appeler les pompiers. Je vois pas où est-ce qu'il y a un incendie. Hein. À Skip, il y a un incendie quelque part, mais... Putain, ils ont mis du temps à capter. Hein. Genre, au calme, Cécile. Ok. D'accord, bon ben... L'incendie a été maîtrisé. Donc bah écoutez, nous c'est là-dessus que l'on va se quitter. J'espère que cet épisode vous a plu. Il y a eu du chamboulement, beaucoup de chamboulement. Donc nous, prochain épisode, on se casse de cette baraque parce que là, ce n'est plus possible. Clairement, c'est plus possible. Donc nous, prochain épisode, on va dire au revoir à toute la famille et on partira vivre en appartement avec Thiebald. Merci à tous d'avoir regardé, plein de gros bisous et à bientôt.